Tout va bien. 5 minutes à tenir. C'est sûr qu'on a encore l'ulti en plus de Tyrande qui est un petit peu craqué. Ouais, il devrait pas y avoir d'embrouille. Je suis prête. Juste un petit peu long. Ouais. Ça va. Je veux dire, mes archers ils sont encore bien. Je fais quelques tours. Ça va. Ça va, ça va. J'ai gagné. Ouais, bon, bah voilà. Oula. Ça mène du pipoil. J'ai compris que très tardivement, vous pouvez mettre des archers sur les hippogriffes. Un peu la tour. D'accord, il se fait le tournoi là. N'a pas peur, Malfurion. Malfurion, c'est un dingue. Je suis prête. Malfurion, c'est un dingue. Puis il a eu la clé des trucs pour récupérer la vie plus vite. Même pas. Ça peut-être. Ah oui, ça. Corne de Scénarius. Parce que quand tu compares les gueules qu'ils avaient dans Warcraft 3 et les gueules qu'ils ont dans WoW. Merci WoW quoi. Dans WoW, Tyrande elle est trop belle. C'est ma meuf. Ils sont chaque combat. La ville de notre allié a besoin de nous. Je suis prête. Et en fait, les trucs en hippogriffe, c'est craqué, c'est craqué. Qui menace cette terre? Ça dure 30 secondes, quoi. Elle s'est dit de quoi, d'une minute? Ce sera fait. Je suis prête. Je vais attendre que le prochain combat il se lance, quoi. Après, s'il fait tranquillité, il peut peut-être rien faire d'autre. Après, Furion. C'est pas spécialement lui qui fait le plus de DPS. Je suis prête. Toto avec ses sorts. Mais attendez, je vais passer en mode capture d'écran. Comme ça, dans un moment, on verra la cinématique. Je suis prête. La ville de notre allié a besoin de nous. Je suis prête. Je bouge pas trop les bras, après c'est que je vais regarder. Montrez-vous, elfes de la nuit, que sont devenus votre fougue et votre courage d'antan.
Bah moi ça va. Et donc du coup personne n'est mort quoi sur cette vague. Ok. Normal quoi. Je suis prête. Non, prêtresse. Je ne fais qu'un avec la terre. Quelqu'un menace la nature sauvage. Vas-y, foncez. Notre champion est mort. La victoire d'Archimonde l'a rendu stupidement confiant. Il ne verra pas le piège que je lui ai tendu avant qu'il ne se referme. Enfin, la voie vers l'arbre monde est ouverte. Une fois en possession de sa puissance, je drainerai les énergies mystiques de ce monde avant de jeter au feu sa carcasse desséchée. À moi, mes serviteurs, la fin approche. Et bah non. Mais oui, là c'est bon le changer. Les étrangers ont tenu autant qu'ils le pouvaient. As-tu réussi à organiser la défense du sommet? Oui. Désormais, notre victoire est assurée. C'est comme ça que ça commence, Orion the Blind Forest. Les racines finiront par guérir, ainsi que le reste du monde. Les sacrifices sont accomplis. Comme les orques, les humains et les elfes de la nuit ont oublié leur vieille haine et ont combattu ensemble un ennemi commun. La nature elle-même s'est dressée pour bannir l'obscurité à jamais. Quant à moi, je suis revenu pour m'assurer qu'il y aura un avenir, afin d'enseigner au monde qu'il n'a plus besoin de gardiens. L'espoir des générations à venir a toujours reposé en des mains humaines. Et maintenant que ma tâche est achevée, je vais reprendre ma place parmi les légendes du passé. Yay! C'est la fin. Ouais, c'est la fin. C'est la fin du game. Avec les petits crédits, ouais.